crois que l'harmonie municipale va rejouer la Marseillaise. Et si vous êtes tous d'accord, on va la chanter avec vous. Avait été judicieux en faisant appel à des joueurs revanchards. Les anciens, on s'en fout. Tu ajoutais avec prémonition que vous aviez une part de chance et que tu ressentais des ondes positives. C'était la veille du match contre Brive, où 4 essais en l'espace d'un quart d'heure, en début de seconde mi-temps, avaient plié un match âpre et difficile dans la conquête et le combat. L'équipe engrangeait 8 points en 2 matchs, en comptant avec le fameux derby. Et Thierry de me glisser à l'oreille, c'est sûr, ce soir, nous avons assuré le maintien. Messieurs, vous veniez juste battre le CA Brive-Corrèze 40-19. Et qu'on joue ! Mais puisque je me fais le chroniqueur de cette folle saison, un chroniqueur à la partialité totalement assumée, laissez-moi, après avoir évoqué la victoire
de la volonté et du courage contre Brive, racontez celle de la fierté et de la solidarité à Lyon. Je rends évidemment à Christophe ce qui t'appartient, car ses paroles sont à toi. Bref, souvent, souvenons-nous aussi le 18 novembre, la 11e journée, en arrivant au Matmut Stadium, le loup est notre dauphin à 9 points. Nous, en tête depuis la 4e journée, nous étions déterminés à frapper un grand coup. L'ambiance était sensationnelle. Les supporters rouges et noirs s'imposaient sinon par le nombre, à tout le moins par la voix, tant le stade tout entier résonnait du fameux « Ici, ici, c'est Oyola ! Ici, ici, c'est vous ! Ici, 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 c'est Oyola ! » Que vous nous avez offert restera gravé longtemps dans les mémoires. C'était incroyable. Le suspense nous tenait à bout de souffle. On venait d'encaisser 19 points en un quart d'heure et on était mené 31 à 23 à la 62e minute. La différence s'est faite au niveau de la BD et votre esprit de corps a fait pencher le match de notre côté. On en est sorti fourbu, plus fatigué que les joueurs eux-mêmes. Pour la troisième fois de suite, l'USO s'imposait à Lyon. C'est alors que nous avons cru au top 14. J'entendais en ville les habitants me dire que c'était possible, mais que ce serait énorme. Cependant, en bon dirigeant, Hervé David rappelle tout le monde à l'ordre par cette simple injonction, le loup n'était pas une finale. Le loup n'est pas mort. Il me revient d'autres images. Albi battu 40-6 lors de la seconde journée, puis à nouveau chez eux. La confrontation contre Carcassonne au cœur de l'hiver, l'équipe qui nous avait infligé la seule défaite de la face aller. La ligne de l'équipe Toche explosée sous les coups de boussoir de nos avants déchaînés et d'une troisième ligne qui perforait à tout craint. Que d'émotions vous nous avez données en écrivant ces quelques lignes, je me suis rendu compte à quel point vous nous avez fait plaisir. Combien votre engagement pour le maillot, pour nos couleurs a été sincère. Messieurs, à cet instant, il ne me vient qu'un mot. Merci. Pour la vie. Maintenant, il faut penser au top 14. Il faut pouvoir exister au sein de l'élite du meilleur championnat de rugby européen. Attention, il ne va pas falloir arriver en jogging dans un dîner de gala au milieu d'invités en smoking. Hervé, tu t'es certainement reconnu. Cette image est de toi. Du reste, si je t'ai bien compris, le top 14, c'est le top 6 plus le top 8, faut-il entendre, qu'il y a de la place pour s'installer. Dans ce cas, je donne rendez-vous dans 10 ans pour fêter le bouclier de Brennus, le bout de bois dans la Plastique Vallée, ça aurait de la gueule. Je sais combien nous pouvons faire confiance aux trois présidents et à tout leur courage pour ne pas monter juste pour regarder. Je sais que vous avez beaucoup d'appétit et une énorme envie d'en découdre. J'ai en tête les leçons du professeur Urius, notamment celle qui appelle à la lucidité
Ce sera dur, dis-tu, mais en avoir conscience règle déjà la moitié du problème. Et on peut applaudir Christophe. Champion. Pour finir, vous savez pouvoir compter sur votre public. Outre les fidèles parmi les fidèles, vous êtes acquis cette année de nouveaux supporters. Demain, ils seront présents et sauront vous rendre les sacrifices consentis sur le terrain. Je suis prêt à parier qu'ils seront sacrés meilleur public de top 14. Jean-Marc, tu disais en novembre dernier, Oyonnax donne de l'espoir à beaucoup de clubs qui se voyaient un peu dépassés par le professionnalisme. Nous ne sommes pas une grande métropole, nous n'avons pas le plus gros budget de D2, mais nous avons un groupe et un staff qui ont envie de s'envoyer en l'air. Surtout monsieur Sinop. Ça tombe bien, nous aussi. Alors je vous le dis, le club pourra compter sur les élus de la ville et du bassin. L'USO fait rayonner nos couleurs bien au-delà des limites de notre territoire. Demain, nous gagnerons grâce à vous en notoriété. Cette accession est un formidable potentiel pour notre attractivité. C'est la garantie d'une nouvelle prospérité et un renfort merveilleux pour notre dynamisme. Ce soir, la ville s'est parée de ses plus beaux atours. Elle chante à la gloire de son club, elle porte en son sein vos valeurs et elle réunit dans une même et seule ferveur tout un peuple reconnaissant. Messieurs de l'USO, vous nous offrez une fierté nouvelle. Vous nous rappelez que nous partageons un même destin, celui de la nation rouge et noir. Rouge et noir, 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 rouge et noir. Chut, arrêtez. Il m'appartient donc de vous remettre, au nom de tous les Oyonnaxiens, la médaille de la ville, gage de notre reconnaissance et de notre admiration, gage également de notre soutien plein et entier pour les prochains matchs à venir. Alors je vais appeler Christophe Rios. Bravo ! Bravo ! La médaille ! La médaille ! Toute l'équipe, Christophe, te remet la médaille de la ville de Yonnax. On est champions, on est champions, on est champions, on est champions, on est champions. La perdez pas ou l'inventez pas. C'est la médaille de la ville avec un sommet pour tout le club. Donc tous les joueurs vont leur remettre un diplôme de citoyen d'honneur de la ville de Yonnax. Bonjour, bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis...
Et les BBC? Désolé, parce que mon français n'est pas le meilleur quand je suis... Bourré! Bourré! Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On fait... Je veux parler de l'histoire de la saison. Parce que bien, on a gagné à la fin, mais c'est l'histoire qui est le plus important. On a commencé le 27 juin, on a dit qu'on a voulu gagner le titre et qu'on a fait. On a vécu des choses ensemble qui étaient très belles. On a fait le stage à Hauteville. On a fait l'entraînement pendant... 2 jours. Non, on s'est entraîné beaucoup plus qu'on a joué. Et merci. Pour tous les joueurs et pour tous les supporters, c'est l'histoire qu'on va rappeler ensemble. Et je crois qu'on va rappeler ça jusqu'à la fin de notre vie. Je veux vous remercier. Parce que... Tu cherches ou pas? Ça a été une aventure énorme. Oh, Joe, t'as rien dans la poche. C'est bon. Tu cherches le discours ou quoi? Hey, Suzanne! Suzanne, elle, tu l'as pas fait, Suzanne! Suzanne dans la poche. Il y a quoi là? Suzanne, il y a où le discours? Merci Joe, merci Joe! On a voulu mettre Oena sur la carte. Et je crois qu'on a commencé ça. Et on va continuer à faire un peu les autres. Merci à tous. Merci Joe! Merci, c'est Céline qui m'a demandé. Il faut ouvrir une boîte à Oena. Ouais! Parce qu'en ce moment, on n'a rien pour fêter le triomphe. Hey Joe, toi? Bien, merci. Toi, je vais laisser la parole au président Jean-Marc Landuché. Jean-Marc! Lou! Eh, la crête rouge, elle est où? Bonsoir à tous, ils sont où les cheveux rouges, Jean-Marc? Je crois que pas tant de paroles, donc on va essayer de faire vite. Je voulais vraiment remercier en priorité les joueurs pour le calme dont ils se sont fait preuve depuis une demi-heure, parce que c'est absolument éblouissant. On sent qu'on ne va pas les laisser sous pression trop longtemps. On les remercie plus, on a usé les mots ce week-end, on a usé l'émotion, on a usé beaucoup de choses, on a usé les voix. On va dire qu'on les aime déjà, donc... C'est vraiment très important pour nous ce qui s'est passé toute cette saison. Voilà, et puis c'est vraiment un endroit unique pour remercier l'ensemble des collectivités à travers, bien sûr, Michel, Alexandre, Damien et tous les autres pour tout le soutien qu'ils apportent toujours au club. C'est très important pour nous dans nos évolutions, dans les aspects financiers, on ne va pas en parler trop aujourd'hui, mais je crois que si on arrive demain dignement au top 14, les collectivités auront vraiment beaucoup œuvré en ce sens et on est quand même à les en remercier. Alors pour ce faire, puisqu'on n'a pas le grand, parce que je crois qu'il a souffert pas mal pendant le week-end. C'est Audi qui l'a cassé. Merci Audi. De trophée pour la communauté de communes et pour la municipalité. C'est Raphaël Poulain. Je vais remettre donc tous les diplômes d'honneur de la Mitoyenne à l'ensemble des joueurs, mais je vais laisser le paquet à Christophe Furios. J'en ai plein de diplômes en plus dans ma carrière. On s'en chargera maintenant, je vous invite tous au verre d'amitié et je souhaite plein de réussite en top 14 à l'USO United. À l'USO Rugby. Ça va, et toi? Je fais un budget pour Benji.
Je sors. Thank you.
Comme d'hab.